Saint-Louis se trouve dans le Missouri. Actuellement, la ville a une population de 300 000 habitants. La ville est fondée en 1764 par le commerçant franco-louisianais René-Auguste Chouteau et quelques colons français. Elle est ainsi nommée en hommage au roi de France Louis IX, dit Saint-Louis. Au XIXe siècle, la ville est peuplée par des immigrants italiens, allemands, tchèques et irlandais. Entre 1910 et 1930, beaucoup d'Afro-Américains s'installent dans le nord de la ville. Quatrième ville des États-Unis en 1900, Saint-Louis accueille en 1904 l'exposition universelle et les Jeux olympiques. On appelle Saint-Louis la porte vers l'ouest pour son rôle dans l'expansion vers l'ouest des États-Unis. Le symbole de la ville est une arche recouverte d'acier inoxydable qui date de 1965, la Gateway Arch. Saint-Louis est un grand port sur le fleuve Mississippi. Ses eaux traversent le centre des États-Unis. Le Mississippi, qui a une longueur de 3780 km, est un élément fondamental de l'économie et de la culture américaine. Le fleuve abrite 260 espèces de poissons et 60 espèces différentes de moules. Dans la vallée du Mississippi, on trouve plus de 50 espèces de mammifères et 145 espèces d'amphibiens et de reptiles, dont le célèbre alligator. Il y a aussi des mammifères à fourrure tels que le castor, la loutre ou la mouffette rayée. D'autres animaux qu'on peut voir dans la vallée du Mississippi sont le coyote, le cerf, l'écureuil gris, et le lynx.